Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai enfin commandé ma config de taré et je vous en parle tout de suite. Alors, vous le savez, ça fait un petit moment déjà que je vous en parle. Je n'ai plus d'ordinateur principal, entre guillemets. Enfin, il y a celui de plus ou moins mes parents qu'on utilise pour faire tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Hein. Ça va de la simple navigation internet jusqu'au montage vidéo, voire le jeu. Mais le jeu, on évite parce que vu que c'est le PC familial, ben, forcément, il y a toujours une histoire de... qu'est-ce que c'est ce jeu machin, donc on joue plus. Ça fait un petit moment que je ne joue plus à de jeux. Avant je jouais pas mal, maintenant je ne joue plus du tout parce que ben si je dois vous expliquer hein, ça fait pas tourner de jeu. Qu'est-ce qu'il faut, ça voilà, un Mac, ça fait pas tourner de jeu. Donc je suis un peu SDF d'ordinateur que j'appellerais de puissance, c'est-à-dire que c'est un ordinateur qui a une grosse carte graphique, qui a un gros processeur, qui peut tourner très vite, très fort, qui peut envoyer sa race comme un cinglé, il faut le dire, dans des montages vidéo, dans des jeux, etc. Je n'ai plus ce genre de machine chez moi, je n'en ai plus. Du coup, c'est pour ça que j'en ai recommandé une. C'est un PC entièrement personnalisé que j'ai commandé, j'ai choisi les pièces moi-même. Vous savez, la configuration Homatique de chez Topacha, alors j'en parlerai pas plus parce que s'ils veulent que j'en parle plus, bah ça s'appelle un partenariat, donc Topacha, si vous passez par là. Je fais un peu mon rageux, mais je suis désolé, il y a un moment, voilà. Et donc, ben voilà, je vais vous décrire tout de suite la config que je vous ai faite, enfin que je me suis faite à moi, parce qu'après tout, c'est pour moi, enfin ça va servir aussi pour les vidéos, donc après tout, c'est pour vous. Je prends le petit Mac en action et c'est parti. Il faut savoir que cette configuration ne comporte pas de boîtier ni de clavier souris, je vais vous expliquer pourquoi après. Alors au niveau de la RAM, j'ai choisi un PC avec 8 Go de RAM, tout simplement parce que j'ai eu l'expérience avec un ordinateur qui avait 8 Go de RAM. C'est la vie, il faut 8 Go de RAM, c'est obligé. Donc 8 Go de RAM en DDR4 de la Corsair Velux Select, à l'anglaise. Hein. 8 Go en 2133 MHz, il y a une seule barrette, il y avait des kits avec 2 barrettes. J'aurais préféré avoir 2 barrettes, mais bon, c'est pas très grave. L'alimentation, c'est une 600 watts de chez EVGA, une carte Wi-Fi. Il en fallait une parce que ben, j'ai de la wifi chez moi et j'ai pas envie de faire courir un câble Ethernet à travers les étages, ouais, ça serait le bordel. Donc c'est une Asus PCE AC51, AC pour Wi-Fi, AC ou Wi-Fi 5 GHz. En fait chez moi j'ai de la Wi-Fi 5 GHz, j'aimerais bien en profiter. C'est pour ça que j'ai pris cette carte Wi-Fi là qui n'est pas la moins chère du tout. La moins chère elle était à 15€, j'ai pris un modèle à 36,90€. Donc voilà, il y a 2 petites antennes dessus, enfin je vous fais pas le descriptif, hein, je vous ferai ça un peu plus tard peut-être. Carte mère, j'ai pris une Asus Prime A320M-K, tout simplement parce que c'est le modèle micro ATX. Voilà, ça va être une carte mère en format micro ATX. Il y a un modèle en format ATX ou même mini ATX, ça doit se faire. Toujours est-il que j'ai pris le modèle A320MK Prime de chez Asus. Le processeur, ben je vous ai dit que c'était pas un foudre de guerre. Hein. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? Non, bon, je ne sais plus. C'est un AMD Athlon X4 950, tout de même à 3,5 GHz quad core. Alors pourquoi j'ai pris celui-ci? Tout simplement parce que les autres étaient en dual core, certes à 3 GHz, mais en dual core, donc on peut rien faire avec ça. Au moins, quad core, si vous voulez faire du jeu, du montage vidéo, quad core, c'est le minimum syndical. Si vous n'avez pas ça, vous êtes cuit, vous êtes foutu. Enfin, ça va marcher, mais ça va être très lent et ça va chauffer. Donc là, c'est pas non plus un processeur fifou, mais ça va faire l'affaire. Donc un AMD Athlon X4 950 à 3,5 GHz. Ensuite, le SSD, parce que je ne prends plus de disque dur, hein, des vieux disques durs mécaniques. Comme ça là, des trucs, des merdouilles comme ça, j'en prends plus. Donc j'ai pris un Crucial BX500 240 Go SATA 3. Il y avait un autre modèle qui était au même prix mais avec les vitesses de lecture et d'écriture qui étaient moins élevées, donc pour le même prix, bah, j'ai pris celui-ci qui était plus rapide. Et puis l'écran, il y a l'écran, c'est un Philips. Alors la référence, je vous laisse la noter, prenez un crayon, allez-y. Prenez un crayon, hein, je vous attends. Alors, c'est un Philips 243 hein, V5 LHSB. Voilà. En entier, ça donne Philips 243 V5 LHSB. C'est une référence qui rippe sur la langue. Hein. C'est temps de réponse à 1 milliseconde, 24 pouces, on va être bien. Tout ça donc pour un montant total de 419,20€. Je vous rappelle que c'est un PC qui est censé faire tourner des jeux à 419,20€. Alors, il n'y a pas de carte graphique non plus, il n'y a pas de clavier souris. J'explique pourquoi. Tout simplement parce que la carte graphique, déjà, eh bien, j'en ai déjà une.
Et ouais, j'ai déjà une carte graphique, j'en ai déjà une, ça fait des années que je l'ai. C'est la Nvidia GTX 650 Ti Boost qui est à 2 Go de graphisme. C'est pas un foudre de guerre, mais tous les jeux que j'ai joué dessus, ça passait en ultra sans problème. Donc bon. 2 Go de graphisme, c'est pas énorme. Et on va voir ce que ça donne sur Fortnite. Ça devrait pas être fou, mais voilà, on devrait au moins pouvoir faire quelque chose. Et donc c'est une carte graphique que je vais récupérer de mon ancien PC, enfin de l'ancien PC familial, parce que ça sert plus, hein, on fait pas de tâches gourmandes dessus, donc ça va pas servir. Voilà, et puis ensuite clavier souris, pourquoi j'en ai pas commandé? Tout simplement parce que, je vais vous montrer ça tout de suite, j'ai déjà un modèle de clavier qui est pas du tout un clavier gamer sans fil ou ce que vous voulez, non, c'est un simple clavier Dell que j'ai récupéré dans une décharge, il me semble, d'un vieux PC qui était à l'agonie. Voilà. Donc c'est un clavier classique Dell. Alors pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que c'est un clavier, en fin de compte, qui est déjà mécanique. C'est un clavier qui est déjà mécanique. Et j'ai déjà joué à Fortnite avec, comme un cinglé. Et je me suis dit, c'est pas mauvais, hein, tous les claviers qui nous vendent à 100 euros le rétroéclairé. Ça sert pas à grand chose. Enfin, il n'est pas rétroéclairé, donc dans le noir, je verrai pas les touches. Mais voilà, donc du coup, je l'ai gardé. Ouais, je l'ai gardé parce que... parce que ça fait l'affaire. Enfin, j'ai été assez étonné de la qualité du clavier. Donc, je l'ai gardé, c'est un vieux Dell. Alors, je vois tout le monde, vous allez tous me chier des pendules. Ah, mais c'est pas fait pour, tu vas jamais arriver à jouer avec ça, etc. etc. Et je peux vous garantir que si. Hein, j'ai essayé de jouer à Fortnite avec ça, c'est rigolo. C'est vraiment rigolo. On verra bien dans 6 mois. Hein. Je vais peut-être être en train de pleurer dans 6 mois, ça marche pas, enfin bref. Et en plus de ça, derrière, il y a 2 ports USB. En plus, des ports USB 2 pour alimenter, je sais pas, une petite lumière, un petit truc. Voilà, c'est pas. Alors les ports USB sont pas très puissants, hein, pour alimenter. Je sais qu'il y avait une souris sans fil, j'arrivais pas à l'alimenter dessus parce que c'était trop puissant. Voilà, et puis surtout aussi l'intérêt, c'est qu'il y a un bouton de volume dessus. Il y a une commande de volume, donc je peux régler le volume de mon casque comme ça à la volée sur le clavier. Et c'est vachement pratique. Alors le bouton, oui, il a sauté. Normalement, il était à cet endroit-là, il n'y a plus de bouton. Donc je sais pas, je vais essayer d'en refaire un de bouton, ou bien je laisserai ça comme ça, tant pis, c'est pas grave. Il y a de quoi muter, de quoi faire play pause pour la musique, etc. Donc c'est vachement pratique, mine de rien, ce genre de petit clavier. La souris, alors la souris, j'en ai acheté une, neuve quand même, mais c'est pas du tout une souris de gaming, c'est une souris premier prix et sur CLB, c'est la Ergo XL, voilà, de chez Boulanger. Une souris sans fil, bien entendu, qui marche avec une pile AA fournie, donc ça c'est plutôt bien. Et dessus, vous voyez la forme, hein, de la souris, c'est une grosse souris, j'ai des grandes mains, j'ai des grandes paluches, donc il me fallait une très grosse souris. Qui est un peu concave, qui a un peu de travers, donc qui se tient bien en main, avec surtout des boutons autour du pouce. Il y a 4 boutons autour du pouce. Il y en a un en bas et il y a 2 boutons en haut, classiquement, plus un autre petit bouton juste en dessous. Et donc ça, pour faire les commandes Fortnite, pareil, ça va être le rêve. Il y a un autre bouton également, juste à côté du clic gauche. Et donc c'est une souris qui, au final, est plutôt bien conçue et... j'y vois carrément de l'intérêt pour le jeu vidéo, en fait. Il y a tellement de boutons programmables que au final tu peux t'en servir pour le jeu, quoi. Donc c'est une très grosse souris qui est bien concave, pour les grosses mains ça marche bien, et je voulais absolument une grosse souris comme ça sans fil. Voilà, donc 9 boutons de fonction, un repose-poignet amovible, donc on peut l'enlever, c'est génial, et une sensibilité jusqu'à 2400 dpi. Vous croyez que c'est la fin de la vidéo? Non, c'est pas la fin de la vidéo. Je suis également en train d'entamer les travaux, enfin les travaux entre guillemets, hein. Je veux pas faire un trou dans le sol de la maison, mais en fait je suis en train de construire mon propre bureau. Ça rippe un peu sur la langue, je sais, j'arrive pas à parler, c'est pas grave. J'ai acheté, pour ceci, je vais fabriquer mon propre bureau, j'ai acheté un meuble chez Conforama. Pareil, hein, Conforama, si vous voulez du sponsoring, voilà, je vous fais pas votre publicité, mais si vous voulez du sponsoring, c'est pas gratuit. Hein. Donc hop, c'est une espèce de meuble étagère, je vais pas approcher plus, hein. une meuble étagère, voilà, qui fait 80 cm de haut. Alors c'est ce que je cherchais, en fait, il fallait au moins que ça fasse 80 cm de haut. Pourquoi? Parce que cette hauteur là, 80 cm de haut, c'est la hauteur standard des bureaux, en fait, qu'on peut voir. C'est entre 72 et 80 cm de haut. Et donc j'ai testé tout à l'heure en m'asseyant sur le fauteuil, là, sur le siège, et en mettant ça devant, et en fait la hauteur passe pile poil. Donc ça, c'est génial. Ça va aller, en fait, à un bout du bureau
qui va venir poser dessus. Et en fait, l'autre bout, vu que c'est une planche, j'ai pris un plan de travail de cuisine qui est très épais. Ça fait au moins 3 ou 4 cm d'épais. C'est vraiment très épais, donc on peut taper dessus comme des bourrins, ça va pas se péter en deux. Et l'intérêt des plans de travail de cuisine, qu'est-ce que ça vient foutre là? Bah, c'est que ça résiste à tout. Ça résiste à l'eau, ça résiste aux coupures, aux rayures, ça résiste à tout. C'est vraiment très résistant. De plus, le mien, il a une finition métal, c'est-à-dire que sur le devant, il y a une réglette en alu. Voilà, on a lu brossé, donc ça fait joli, machin, enfin bref. Donc j'ai payé 76 € à peu près pour cette planche, ça fait 2,46 m de long. Alors pour rentrer ça dans une voiture, c'est infâme. 63 cm de profond, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le bout, en fait, parce que, en fait, je vais vous expliquer, je vous prends avec moi, comme ça. Hop, je vais mettre tout simplement le bureau ici, donc entre là, mon lit, et la porte, il y a 1,32 m, mais je vais laisser de chaque côté 5 cm de battement. On sait jamais si on veut bouger un peu, si on veut le sortir, si voilà. J'ai laissé donc 5 cm de battement de chaque côté, donc ça fait 10 cm en moins. Mon bureau fera donc 1,22 m de longueur, comme ça. Il fera 80 cm de haut avec la commode que je vous ai montré là derrière, qui sera de ce côté là, donc contre mon lit en fin de compte. Donc elle sera de ce côté là. J'en achèterai une deuxième parce qu'en fait elle n'est pas assez profonde, elle fait 29 de profond alors que mon bureau fait 63. Donc je vais en acheter une deuxième et je vais la coller dessus, vous savez, comme ça j'aurai un truc bien profond. Donc je mettrai ça de ce côté. Ensuite il y aura ma planche, mon plan de travail dessus, que je poserai dessus, que je visserai par dessous, comme ça on verra pas les vis. Et ensuite, de ce côté-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, au lieu d'acheter des pieds, des trucs qui vont pas tenir, des saloperies infâmes, je vais juste récupérer la chute de mon plan de travail que j'aurais découpé, qui fait nécessairement plus de 80 cm. Je vais le couper à 80 cm, à la bonne hauteur en fait, et je vais faire une descente, tout simplement, en angle droit, je vais faire une descente jusqu'à par terre. Et ça fera mon pied, ça fera guise de pied, tout simplement. Et voilà comment je vais fabriquer mon bureau. Alors ensuite, pour renforcer, je ferai certainement ce que j'ai dit de faire, c'est-à-dire mettre au fond du bureau, imaginez, hein, là on le voit pas, une planche, un transversal, un bout de planche, pour éviter que le bureau baille comme ça. Tout sera ici, donc alors j'espère que je vais pas être emmerdé avec cette étagère, parce que sinon je vais peut-être devoir faire un petit quelque chose pour cette étagère, peut-être l'enlever, ou enfin je verrai bien. Mais en tout cas, le bureau sera ici, en lieu et place de cette commode pourrie et de cette poubelle où à l'intérieur il n'y a que des mouchoirs, puisque je sors d'une maladie encore une fois infâme. Donc voilà, hein, tout bêtement, je vous montre un peu ce que je vais faire. Donc pour l'instant, c'est en cours. J'attends la config qui arrive la semaine prochaine. J'attends donc le boîtier qui arrive également la semaine prochaine. J'attends tout ça, donc j'attends aussi de retourner chez Conforama pour racheter une seconde étagère. Là vous la voyez pas, elle est dans l'ombre, mais une seconde étagère donc pour faire mes rangements. Et puis ensuite ce bureau que j'avais fabriqué moi-même, qui bouge, hein, voilà, qui bouge cruellement, et ben ça va jarter, voilà. Et donc ici il n'y aura plus rien, ici je ferai plus rien ici dans ce coin que vous connaissez tant, là vous voyez, avec cet angle là, là comme ça, avec l'armoire en fond, etc. Ben il y aura plus rien ici. Il y aura peut-être cette commode là qui va venir là juste pour dégager de l'espace. Et puis voilà. Donc je suis assez content de ce que je vais faire, tout simplement parce que je fais tout moi-même. Je fais tout à mon goût, tout est adapté pour moi en fait. Le bureau, bah, il fait, voilà, c'est à longueur comme je voulais. Vous auriez pu dire, ouais, t'aurais pu acheter un bureau tout fait déjà chez Conforama. Ouais, alors c'est vrai, les bureaux étaient pas chers, en plus c'était les soldes, donc il y avait des réductions. Mais le souci, c'est que c'était trop grand. J'ai vu des trucs avec des planches en verre, des trucs, des machins, en angle droit, super beau, hein. Mais ça fait 3 mètres, quoi. Ça fait 3 mètres de long, bordel. C'est des bureaux de ministres. Non, j'ai pas de place chez moi, je suis désolé. Donc du coup, je l'ai fait moi-même, comme ça, je découpe tout à longueur que je veux, je mets tout à hauteur que je veux, je m'emmerde pas, et c'est vachement bien. C'est pas forcément moins cher, parce que rien que le plan de travail, j'ai payé 76 €. L'étagère que j'ai là, j'ai payé 18 €, il m'en faut une deuxième. Vous rajoutez à ça tous les petits à côté, hein, qu'il y aura certainement, donc... C'est pas forcément beaucoup moins cher qu'un bureau standard déjà tout fait. Mais surtout, l'intérêt, le gros intérêt, c'est que c'est à longueur, à dimension, comme je veux, voilà, bien propre. Voilà, donc ça avance. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, je sais plus, la semaine dernière, je crois. On attend de voir cette config, etc. Eh bien, attendez, parce qu'elle arrive, elle est en cours de route. J'irai la chercher dès qu'elle sera arrivée. Je la fais venir en point relais, en plus c'est gratuit. Oh,
je vous ferai une vidéo de montage de la config, bien entendu, hein. Je vais pas vous laisser sur le bord de la route. Et puis on fera une installation de Windows et ensuite, eh ben, allons-y, Bogedon, pour des gameplays et des montages incessants. On sera vraiment tip top. Je vous ferai également une vidéo sur le montage du bureau. Je vous ferai peut-être des petits plans sur la découpe, mais vu que mon père va m'aider, bah, je vais peut-être pas filmer parce mon père veut peut-être pas apparaître dans la vidéo. Et puis sinon, je vous ferai une vidéo une fois que le setup sera complet, installé, terminé. Donc il y a plein de vidéos qui vont venir là. Ça va être génial. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite de passer un bon week-end. C'était Seb. J'ai plus de souffle. À la semaine prochaine, j'espère, pour la config. Sinon, bah, ce sera la semaine d'après. Voilà. Ciao, ciao. Ah, il s'en passe des trucs, hein.